Bonjour, nous sommes le 30 mars de l'année 2020 et quelque chose, et la Chine envahit les îlots de Matsu en mer de Chine, qui sont un territoire taïwanais. Vous êtes le dirigeant d'un des plus grands groupes de luxe français. Comment vous réagissez? C'est le sujet du Serious Game que nous organisons ce soir pour la résidence Brightness avec Guy-Philippe Goldstein. Quel impact sur notre économie? Comment anticiper les risques? Quelles opportunités vont se présenter à nous? On fera un récapitulatif en 2 minutes à la fin du jeu. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, alors Guy-Philippe, on vient de passer 1h30 ensemble à imaginer un scénario qui pourrait advenir en mars 2020 quelque chose, où on s'aperçoit que la Chine envahit des îles, une île taïwanaise. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors c'est un des scénarios qui peut faire peur. C'est le cas où, par exemple, pour des raisons internes, une crise immobilière qui n'est pas contrôlée, des bouleversements à l'intérieur du Parti communiste chinois, et bien tout d'un coup, il y a une espèce de dérive nationaliste pour tenir le pays. Et pour aider vraiment à tenir le pays, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait une agression. On va attaquer des petits îlots au large de Taïwan, qui appartiennent à Taïwan, donc on attaque la souveraineté du pays, indéfendable, en espérant que ce ralliement au drapeau va permettre de maintenir la situation. Mais évidemment, derrière ça, il y a des implications géopolitiques qui sont très graves, parce qu'on est peut-être au bord de la guerre entre la Chine d'un côté et de l'autre, les États-Unis et les autres pays du bloc occidental. Et évidemment, eh bien, pour les grandes entreprises qui ont beaucoup d'activités en Chine, ça va poser problème. Et d'ailleurs, une entreprise française, un géant du luxe français, qui a été étudié, en tout cas c'est le scénario qu'on a étudié ce soir, on a joué le rôle de cette entreprise et le rôle de 3 organisations, des cabinets de conseil qui sont censés trouver des solutions face à cette situation pour cette entreprise. Donc comment s'appelle cette entreprise ? Alors c'est évidemment, on la connaît tous, l'entreprise Carnel, qui est la fusion d'anciens groupes du luxe, qui pèse quand même 10% du CAC 40, sachant que la totalité du luxe aujourd'hui pèse autour d'un tiers du CAC 40, et pour lequel, eh bien, l'essentiel de la croissance aujourd'hui, elle vient du marché chinois. Et donc l'essentiel de la capitalisation boursière, et c'est le cas de Carnel, mais c'est le cas de ses autres compétiteurs, eh bien, là aussi, elle vient du marché chinois. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des problèmes stratégiques graves sur le marché chinois ? Et en 3 points, rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet exercice qu'on a effectué ce soir pour essayer de se préparer à un scénario comme celui-là ? Alors, on avait 3 cabinets de conseil qui ont essayé de résoudre la situation pour leurs clients. Un cabinet spécialisé sur la gestion de crise, un autre sur la tech, un autre sur les problèmes de droits humains, de développement durable et de droits humanitaires. Et ce qui en est ressorti quand même, je dois le dire, c'est que dans beaucoup de cas, soit on a essayé d'aller chercher un levier de croissance dans le digital, le metaverse et d'autres, mais les questions qui ont été posées, c'est à quelle vitesse on peut y arriver. Et puis d'autres types de solutions qui ont émergé, c'est tout simplement accepter de scinder les activités ou d'avoir même un actionnaire minoritaire chinois qui entrerait dans le groupe, donc d'accepter en fait de facto qu'on se mette un bout de l'activité en Chine. Alors, la question qui se pose dans un contexte géopolitique qui serait grave, peut-être même encore plus grave que ce qu'on a connu entre l'Ukraine et la Russie et le monde occidental, et on a vu d'ailleurs le découplage, voire le départ de l'ensemble des industries occidentales après l'invasion russe contre l'Ukraine, la question géopolitique un peu impensée, je dois le dire, de ce qu'on a pu voir, c'est qu'en réalité, est-ce qu'on n'est pas face à un découplage très fort où les entreprises occidentales, en réalité, sont obligées de quitter la Chine ? En tout cas, c'était un exercice passionnant et je pense qu'on pourrait effectuer ce genre d'exercice avec plein de scénarios possibles. On va s'y atteler. On se donne rendez-vous très vite. Rapidement. Bien sûr, absolument.